m'appelle Xavier Venard, je suis responsable de l'activité semences au sein du groupe Dauphinoise. Ma formation a été classique, je dirais, dans le monde agricole. Un brevet de technicien agricole sur le secteur polyculture élevage. Et par la suite, j'ai suivi une formation d'ingénieur sur le département de l'Isère. Dans le cadre de mon activité, je gère une équipe qui va sur le terrain avec deux responsables production. Ces deux responsables production sont appuyés par une équipe de techniciens qui sont en permanence sur le terrain et assurent le suivi technique des cultures auprès de nos adhérents agriculteurs. J'ai donc en charge l'ensemble de l'activité semences dans le groupe Dauphinoise. En quoi ça consiste? C'est aider les responsables production à aller démarcher à la fois d'un côté des semenciers partenaires pour obtenir des surfaces à produire en semences et puis à aller chercher des marchés pour les semences que nous commercialisons directement. Il nous faut passer des contrats avec les agriculteurs, donc nous prospectons au sein des adhérents de la coopérative pour leur proposer des contrats de semences, toutes espèces, en serre à la paille, en maïs, en tournesol comme ici. Une fois ces cultures en place, j'ai en charge donc de superviser l'équipe de techniciens et les responsables production pour les aider à assurer au mieux le suivi des cultures et l'acheminement de ces récoltes jusqu'à notre usine. Il m'arrive de temps en temps de venir prendre un peu la température du terrain. C'est important pour moi de vérifier, d'avoir une vision globale de notre production dans toutes les zones où nous produisons des semences. Une idée des rendements, une idée de l'état sanitaire, c'est le cas des maïs, de l'état de la fécondation. Je prends un exemple, cet épi est fécondé jusqu'au bout. On a au moins 100% du rendement potentiel de la variété. Comme le maïs, je vérifie un peu l'état de fécondation des capitules. Ça me permet d'affiner les prévisionnels que j'ai pu faire par avant. Nous avons un autre exemple de production de semences, ici du soja. C'est une espèce qui vient pleinement répondre à la demande que nous avons. Et notre mission, une de nos missions, qui est celle de proposer aux adhérents de la coopérative de la diversification et de la plus-value sur leurs exploitations. Un des intérêts de ma fonction se retrouve finalement dans la diversité des activités que je peux avoir. L'intérêt, c'est le contact avec les équipes, que ce soit les équipes du terrain ou les équipes sièges administratifs ou les équipes en usine, mais aussi tous les contacts avec les agriculteurs, puisque nous avons un contact permanent, soit directement, soit par téléphone avec les agriculteurs.